Syndicat police nationale l'an sorti dans silence li. Après quelques temps, yo te fait moun pat tande yo, SPNH 17 parle et yo critique comportement au commandement police nationale l'an qui pas réglan yé sérieux dans tête institution an. Et yo continuellement de libération tout policier yo arrêté arbitrairement. Tant kou Abelson Gonèg qui te porte-parole SPNH 17 lan. Avocat institution sa, avocat SPNH 17 lan, li te présent tout pour mande libération. Et bien, policier yo qui arrêté avec force poignette derrière la loi, Joe Canel, Journal 9. Et bien, met André Michel tout, nous connaît toujours parler. Pour prisonniers politiques yo, notamment policiers yo, Abelson Gonèg, tout policier, yo arrêté, y a persécuté, yo arrêté des dos la loi, et m'jou annoncé, même y a continué bataille, continué goumen, et gen séance qu'a fait 28 septembre nan, dans cabinet, dans bureau, juge des référés, pour tende dossier policier sa yo, qui yo arrêté des dos la loi fanatique. Journal 9, elle dit, mais bataille devant la justice nan, la continue pour libérer tout prisonnier politique yo, fanatique. Journal 9, entendez, membre syndicat police nationale et avocat prisonnier politique qui t'a parlé. En pile, on a demandé, côté nous, qui ça qui passe nous? Eh bien, dis-nous, SPNH 17, là. Nous chita sous t-shirt ban, nous suivons, nous regardons dans gros lunettes ce qui a passé dans le moment ça. Monsieur, dame, bagay yo triste. Bagay yo bon goût, en mai, l'en mai kou fiel. L'eau continue à pomper dans genou. Si tout, le nap gade façon que yo traite frère nou yo, action nou yo, qui kouri à chercher yon ti refuge. La kay, yon nan paysan mi nou yo. Et traitement ça que yo ba yo a, c'est des traitements inhumains. Bagala triste, bagala révoltant. Nous SPNH 17, nous senti nam nous a manger les n'a gardé pendant 9 mois ça yo institution policière traîné dans la boue. N'a mandé nous s'il pas même tourner la boue. Institution en perdu fierté, dignité, ak yon roi état-major qui vini, qui retire, éliminer même confiance population nan institution et confiance policier yo ak policier yo en dedans institution. 9 mois opération bidon, opération dramatique. Opération résultat zéro. 9 mois que policiers yo plus recherché, persécuté, arrêté en gros poignet derrière de la loi ak principe même qui c'est force institution. Tandis que bandi yo y a flané, y a ferraillé ou même senti que yo prend place institution policière. Au final, policier démotivé, kidnapping chaque jour, mouna mouri pa bal, fédération gang yo fait que gè côté moun pa ka même passé et population même aux abois. SPNH 17 nan capacité de prévention ak anticipation te kon toujours a tirer sonnette d'alarme pour dire que route ça que y a prend avec institution li pas un bon li pas une bonne route. C'est dans trou que n'a tombé. Au lieu que vous t'entendez puis vous t'ai fait corps avec nous pour te prendre nous comme des collaborateurs, vous t'ai choisi de préférence pour chasser nous, vous t'ai choisi courir derrière nous au lieu que pour te chita avec nous, pour nous corriger ce qui méritait corriger en dedans institution pour le capable avancer.
nous même arrivés perdus d'une façon drôle et bizarre, frères nous, collègues nous, amis, délégués SP97, Gerbi, Jeffrard, qui était cher pour nous en pile et que nous ne pouvons pas oublier. Pour qu'on ait un plus gros douleur SP97, c'est Abelson Gonet. Que vous arrêtez en dehors de la loi. Dans condition que nous tous connaissons. Tout ça, nous avons manigancé, nous sommes capables d'arrêter Abelson Gonet. Nous avons 6 mois depuis que nous avons bataille. Batterie, avocat SPNHO, à bataille. Vous arrangé pour faire tout ça que la loi lui-même lui prévoit. Surtout avec le fatigable maître Anel Rémy, pour être capable de libérer Abelson Gonet. Mais malheureusement, tout le temps, autant des tribunaux pas qu'à siéger, pas de doyen, ou bien commissaire du gouvernement pas présent, eh bien, je dis, SPNH17 dit, il sortit tête li dans silence. Et libération à Abelson Gonet qui est capable de faire nous encore entrer dans le silence. Abelson Gonet que vous arrêté mal. Renal Coutois, Saint-Jean, Saint-Philippe. C'est des séries de policiers avec tout l'autre policier que nous pas noté là, que vous arrêté de façon illégale et arbitraire. SPNH 17, mandé à l'État central. Pour yon di yon mot. Pour yon suspend à persécution yon. Suspend persécuter membre SPNH 17. Pour yon libérer Abelson Gonet. Nous perdit déjà. Nous perdit Gerbi Jeffrard. Nous pas perdit sous aucun prétexte Abelson Gonet. Nous mandé pour yon rentrer tout mandat yon. Mandat contre ancienne coordonnatrice nous, Yannick Joseph. Mandat contre actuel coordonnateur nous, Jean Elder Lundi. Mandat contre coordonnateur adjoint nous, Carlos Santores. Contre trésorier nous, Montbrun Gédéon. Contre délégué nous, Saint-Hilaire Odzel. Contre deuxième délégué nous, Antoine Dario. Et contre-conseiller nous, Alexandre Pascal. Action sa yo, c'est une principale cause démoraliser institution démoralisée. C'est une principale cause qui démotive les policiers. C'est une principale cause qui fait les policiers ou sentir institution délala. Parce que policiers yo, pas content, yo pas d'accord ça que y a fait policier, j'ai arrêté policier et gens que y a traité syndicat que yo même, yo te foulé béton, yo prend la rue, yo marché à l'élection générale pour mander pour gagner yo syndicat dans tête institution en dedans institution. Est-ce que 17 a dit à autorité qui a pouvoir décisionnel yo que solution à tout problème que nous ouais qui gagne là dans question sécurité là problème ça est capable résoudre et solution li là nous juste pour pouvoir saisir solution c'est qui ça lié c'est pour autorité yo pressé mettez dans tête police là policier à policier académiquement formé qui crédible qui compétent qui a leadership et expérience et qui est capable de gagner confiance policier policière. Choix ça doit faire dans chita palé avec institution tankou SPNH 17 cap défendre cause policier qui déjà gagner confiance policier et qui compte tout besoin PNH là. Après ça, autorité yo supposé penser faire tout ça dépend de yo pour que yo baille
matériel de protection avec policiers. Tant que gilet, casque, radio communication. C'est bon. Ou avec communication sur bagage à refaire. Véhicule blindé, bon armes et munitions et latrier. Pour faire face, pour policiers capable camper et faire face avec situation. L'autre gros moment causé a c'est que autorité CSPN roi état major supposé gagner ça dans préparation dans tout je supposé porter ça prendre ça à cœur qui c'est santé mentale physique et sociale policier m'a reprendre pour nous CSPN supposé ça supposé un souci pour yo penser à santé mentale physique et sociale policier parce que yon moun qui pote zam pas capable frustré yon moun qui pote zam pas capable à réfléchir à caille à petit qui pas capable manger pas capable de penser avec madame qui est malade. Pas capable de penser avec l'école. Quand on réouvert des classes là, pas de rien, absolument rien qui dit pour les policiers. Pas capable de penser à subventionner, à aider pour que l'école soit capable. Yo capable de mettre petit petit à l'école. Donc, yon policier pas capable de faire souci ça. Parce que santé mentale, yon policier, yon moun qui porte des armes, yon moun qui a fait métier des armes. Faut que vous, état-major, pensez avec ça. Comme ça, n'a pas capable de remonter pente là. Comme ça, descendre aux enfers que nous la donnons là. N'a pas capable de sortir là. Institution liée à genoux, bagaille triste, et solution yo là. C'est seulement saisie ou saisie solution. Nous nous-mêmes, la SPLH, n'a pas suivi ça qui a passé avec amertume, grande amertume. Parce que nous-mêmes, tout, nous sentons une culpabilité qui frappe nous fort. Parce que nous sommes impuissants face à une série de petits problèmes qui mineurs, une série de petits problèmes légers que nous sommes capables de régler. Mais malheureusement, trois politiques avoisinées la police nationale d'Haïti, c'est ça qui mettait nous là. Mais pas grand rien pour faire nous peur. D'ailleurs, si nous avons fait histoire, la police, la poète, dans les années 40, c'est le même problème ça. Au contraire, c'est encore pire. Nous tous là, nous connaissons l'époque d'Al Capone. Ça, Al Capone tape aux États-Unis. Al Capone met mon livre comme directeur de police dans New York. Il saute le commissariat, il fait ça. Mais automatiquement, il même tue les policiers, Jean Levé. Le policier était tout le lit. C'est du même au pareil, c'est presque le même cas de figure que l'on a fait face à Velconia. Mais comment on a résolu ça? Ils ont entraîné eux-mêmes. Le syndicat police a vu mettre un barrage à toute corruption qui a été faite dans la police, toute mauvaise graine qui a pénétré les rangs de la police de New York. Et puis la police a vu prendre distance de la politique grâce à syndicat de la police. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. En ce qui concerne le dossier des prisonniers politiques, et nous tous nous connaissons, M. Arnel Rémy-Thil, M. Maisonneur Sautil, il y avait des obstacles sur le chemin de la libération des prisonniers politiques. Malgré tout effort, M. Maisonneur fait, M. Arnel Rémy fait, malgré tout effort, M. Caleb Jean-Baptiste fait, malgré tout effort, M. Camille Leblanc fait, M. Palvin, tout l'autre avocat fait, vous n'êtes pas jamais capable de libérer les prisonniers politiques. Parce que quand vous intentez une action en habeas corpus, la Constitution dit très clairement que le doyen décide sur les conclusions du commissaire du gouvernement. Automatiquement, le commissaire du gouvernement n'est pas venu, ça veut dire action n'a pas aucune chance pour l'aboutir. Et c'est ce qui s'est passé avec les différents dossiers, qu'il s'est dossier à Belson Monek, qu'il s'est dossier à Nel Belize, qu'il y a Bas, dossier Enal Koutoua, etc. On n'a pas pu obtenir
les résultats escomptés parce qu'il y avait des obstacles. Claude Bedford était là au parquet de Port-au-Prince. Philippe Vincent était là comme ministre de la Justice. Avec l'accord que nous avons signé, nous disons que les obstacles politiques, en principe, ont été levés. Et demain, dossier Coudroy, dossier Abelson Bonnec, il a passé devant Bernard Saint-Ville. Et je demande à Maître Bernard Saint-Ville, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, d'assumer ses responsabilités. De comprendre qu'il sait Rinald Coudroy, ce policier qui a été arrêté injustement, illégalement, qu'il sait Abelson Bonnec, ce sont des prisonniers politiques. Il est venu le temps de les mettre en liberté. Et la première responsabilité de ce gouvernement, c'est de faciliter l'évacuation des dossiers des différents prisonniers politiques. Il y a aussi une interdiction de départ qui a été prise par Jovenel Moïse contre Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Ce dossier sera plaidé par devant le doyen d'ici mercredi. Là encore, le doyen pourra assumer ses responsabilités. Que dossier prisonnier politique qui n'a plus d'appel, Anel Bélisère, Philippe, Joannel Paul et Gary Philemon et consort, dossier ça n'a avancé avec lui. Matin, on parle avec Maître Camille Leblanc, qui est capable et qui a plus d'expérience en même temps, nous, il faut toujours apprécier l'expérience de l'autre, surtout en matière de droit. La travaille actuellement son requête pour nous capables de mettre en état, pour nous capables de faire dossier prisonnier politique, ça y est, plaider devant cour d'appel le plus vite possible. Parce que pour nous, pas capable d'un obstacle. Pas qu'un commissaire du gouvernement qui doit pas venir en audience. Pas qu'aucun commissaire du gouvernement qui a campé pour doit bloquer le dossier. Parce que M. Ariel Henry s'est engagé dans l'accord pour faire évacuer les dossiers des prisonniers politiques. Nous pas capables de prisonniers politiques. Prisonniers politiques, vous dit, c'est des gens arrêtés pour opinion politique. Nous avons arrêté parce qu'il était contre la manifestation. Nous avons arrêté parce qu'il était un problème avec PHTK, avec Jovenel Moïse. Ce sont des prisonniers politiques. Il faut les libérer. Les dossiers avancent. Et je félicite mes confrères et consoeurs qui sont là pour effort faire un dossier ça. Je félicite M. Caleb, Jean-Baptiste. Je félicite M. Leblanc, M. Lafortune, M. Palvin, toute l'autre, parce que les dossiers des prisonniers politiques n'ont pas de maître. Pas de monde qui met dossier prisonniers politiques, parce qu'il n'y a pas d'honoraire partagé dans ces dossiers. Par contre, nous avons libéré que vont encore barou. Tous les avocats, toutes les avocates engagés dans ce combat, nous devons mettre tête au travail pour obtenir le plus vite possible la libération des prisonniers politiques. Et moi, espérer, semaine ça même, n'a commencé à joindre résultat. Je le redis encore une fois, la première responsabilité de ce gouvernement. Attention, M. Ariel Henry. Attention, doyen. Attention, commissaire du gouvernement. La première responsabilité de l'État aujourd'hui est de faire libérer les prisonniers politiques. Nous attendons le gouvernement à l'heure. Nous attendons les autorités judiciaires à l'heure. Parce que demain, nous allons plaider pour de la dano. Après, nous allons plaider interdiction de départ mécène. Et dans le jour qu'à venir, nous prenons le coup d'appel pour Anel Bélisère, Kilik, Baba, Joannel Paul. Filemon et la trier, il faut faire avancer cette dossier. Dans les connaît est-ce que M. Ariel Henry, c'est l'autre monde qui est nommé, ou bien si c'est même président que M. André Michel pas de Fléchita avec, sur aucun point qui pas de Fléchita, même pendant 4 mois pays lancement, M. André Michel pas de Fléchita ensemble avec le président, pour le déjeuner, nous consentissons pour son expérience dans la crise de créer. Pourtant, moi, M. André Michel, signé et accord pour Ariel Henry. Ça a rien connu pour Ariel Henry. Sorti qui est-ce qu'il nous met? Belle question, André Michel, je ne veux pas personnaliser le débat, c'est le secteur démocratique et populaire. Et là, ce n'est pas vraiment pour ça que je suis venu dans la conférence aujourd'hui. Tout compte fait, Jovenel Moïse était un assassin. Jovenel Moïse était un chef de gang, c'était un criminel. Ariel Henry, jusqu'à preuve du contraire, son médecin, c'est un professionnel, 71 ans, il a plus que 40 ans depuis le médecin, pour aux jambes dans le massacre à Saline, il faut qu'on a massacre Belin, il n'y a pas de massacre Cité Soleil, nous estimons nous capables de faire avec nous.
Même pourtant, non. Si bon, pas besoin de toi. Si on a besoin de tout ça, ou même, si je cite non, il y a un monde, l'assassinat de Jovenel Moïse, pour qu'on doit choisir pas Chita Aven. Mais moi-même, voilà, c'est comme ça, un ben, même SPNH 17 avec avocat prisonnier politique eux-mêmes, ils t'a parlé, dénoncé, un ben, gros poète qui était la cause, un ben, un pile policier eux-mêmes, ils trouvé des barreaux, des dos la loi, avec l'autre monde encore, qui ont arrêté pour position politique un ben, avocat, moun ça au fait qu'on est, il a continué bataille là, pour jouer une libération, yo, fanatique. Journal 9, ou qu'on formule là déjà pour encourager travail ça. Si vous pouvez abonner à la chaîne là, prenez quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petite cloche là pour toujours recevoir notification chaque fois nous partager une nouvelle vidéo sur page ça. Suivez nous sur Facebook, Instagram, Twitter et puis suivez nous sur www.journal9.tv, Cash App, Zelle, PayPal, Vide Love et affection pour nous. Si vous avez un business ou passé sur Journal 9, pas hésiter à écrire nous dans le numéro WhatsApp ou qui sur page Journal 9. Comme ça, nous avons un compte qui est Jogandel Journal 9. Nous continuons à bousquer information tout partout pour nous porter pour vous. Restez branché Chanel à n'importe quel moment. Nous avons une nouvelle vidéo pour nous informer.